Comité qui travaille sur la campagne alphabétisation a réalisé un atelier de travail mardi 2 septembre dans la présence du Premier ministre Laurent Lamothe et ambassadeur cubain accrédité en Haïti, Ricardo Garcia Napoles. Lutte contre l'analphabétisation fait partie de la stratégie administration Martelly à gouvernement Lamothe dans le cadre de construction état de droit. L'analphabétisation, c'est une des principales causes sous développement dans le pays. Donc, combattre fléau ça, c'est une des priorités du gouvernement. Premier ministre Laurent Lamothe. Pile gros décision qui prend pour que nous capables continuer avec campagne en pleine coopération et collaboration avec le gouvernement cubain. Donc je ne dis à nous décider que nous avons environ 250 000 de camarades nous qui alphabétisés. Semaine prochaine, le 8 septembre, c'est journée mondiale d'alphabétisation. Donc un gros événement à faire pour sensibiliser la communauté, sensibiliser le pays sous bilan. Et bien, campagne d'alphabétisation que nous faisons. Nous discutons tout de comment est-ce que nous sommes capables d'améliorer le programme. Non? Comment nous sommes capables d'améliorer la coordination qui gagne entre différents ministères, secrétaires d'État. Ensuite, comment que le comité mixte que nous mettons avec le gouvernement cubain, lui-même est capable de plus bien marcher pour que le résultat soit capable d'atterrir plus vite pour la population. C'est ça que nous voulons discuter. Donc, nous, Chita, sous processus de dépistage là, pour sixième campagne qui va commencer, sous paiement facilitateur que nous demandons pour faciliter et pour mettre rapidité dans le paiement, pour que le paiement arrive sur nous le plus vite que possible. Et tout ceci est dans un esprit de solidarité avec eh bien, tout peuple qui a besoin d'apprendre qu'on l'a écrit. Nous avons mis un budget de plus de 6 millions de dollars américains pour alphabétiser plus que 500 000 Haïtiens. Eh bien, l'objectif là, il est arrivé à 50% jour et jour. Donc, on a 250 000 personnes qui pourront alphabétiser pendant la prochaine année qui vient là. Donc, vraiment, le ministre de l'Éducation nationale là, pour le travail de manière proche avec les ministres et secrétaire d'État, et primature et coopération cubaine. Parce que ce sont efforts collectifs que l'armée. Efforts collectifs, ça, pour arriver à alphabétiser 250 000 personnes dans l'année qui vient là.